Eneria, comme Arkans, fait partie du groupement Noyeur. Notre métier chez Eneria est lié à l'activité historique du groupement Noyeur de distribution des produits Caterpillar. Et nous, en particulier, nous sommes centrés sur l'activité de distribution des matériels dédiés à la production d'énergie. Dans le cadre du projet CR16 que nous avons développé depuis un an, nous avons réussi à concevoir une installation extrêmement modulaire qui s'adresse à un marché des centrales à gaz qui évolue de façon très rapide. Et nous avons, grâce à l'outil Inventor, réussi à développer une solution extrêmement modulable, standardisée et basée sur des composants dont nous pouvons assurer un sourcing plus organisé. Chaque module CR16 est un ensemble complet qui tient dans une grande boîte de 13 mètres de long, qui intègre toutes les fonctionnalités d'une petite centrale de cogénération, que ce soit le groupe électrogène Caterpillar, mais l'ensemble des composants aussi que nous organisons dans l'espace. Grâce à Inventor, nous avons une maquette numérique de ce modèle CR16 qui nous permet d'adapter très rapidement le module de base à des applications un peu différentes, à des besoins spécifiques d'un client, à partir d'une bibliothèque et à partir de composants qui sont déjà prédéfinis et qui sont totalement standardisés. Inventor et la modélisation en plan 3D nous permet d'avoir des plans concrets de l'installation qui sera mise sur site dès la phase de l'offre. Ça nous a permis de recenser tout le matériel qui était donc nécessaire pour pouvoir réaliser derrière nos préfabrications via nos sous-traitants. Dans sa globalité, une optimisation des coûts et du temps de montage dans toutes les phases justement du process achat. Avec l'aide d'Arkans et grâce au logiciel Revit, nous montons également en puissance dans le domaine de la digitalisation de la construction et en particulier de l'environnement BIM, dans lequel nous travaillons de plus en plus sur les projets complexes, qui sont les tours, les data centers, les hôpitaux. Nous avons par exemple en réalisation actuellement un projet pour le compte d'Orange, de 14 gros groupes électrogènes Caterpillar C175, qui vont équiper un data center et qui font l'objet d'une conception totale dans un environnement BIM. À partir des objets BIM qui nous sont fournis par Caterpillar, nous intégrons la totalité de la centrale dans une maquette Revit qui elle-même fait partie du projet. Sur l'appel d'offres Data Center Orange, le projet BIM s'est matérialisé dès l'appel d'offres avec le client sous forme d'une présentation lors de la soutenance. L'ensemble de la réalisation se fait avec le logiciel Revit et en interaction avec l'ensemble des sous-traitants sur le projet. Notre métier, qui est à la convergence de deux grands domaines qui sont l'énergie et la construction, va être confronté dans les années qui viennent à d'énormes défis et d'énormes mutations, dans le cadre notamment de la transition énergétique. Et ce que nous attendons de notre accompagnement par Arkans et des logiciels Autodesk que nous utilisons, c'est une capacité à concevoir des systèmes de plus en plus complexes, mais aussi une capacité à améliorer notre productivité dans la construction de ces systèmes. L'innovation est dans l'ADN du groupe Monnoyeur et nous comptons sur Arkans pour nous accompagner dans cette convergence entre les technologies du digital, de l'énergie, de la construction, pour proposer à nos clients des solutions toujours plus complètes sur le plan technologique et performantes sur le plan économique.